18e congrès, ce devait être celui de la refondation, un enjeu important pour le doyen des partis politiques de Guyane qui, depuis quelques années, traverse des moments difficiles. Entre crise de croissance et bagarre d'ego, le parti de la Cité Césaire semble être miné de l'intérieur et ça s'est vu en tout début de séance où quelques militants, et non des moindres, ont souhaité se faire entendre en réclamant purement et simplement l'annulation du congrès. Ce qu'on demande, c'est l'annulation de ce congrès parce qu'il est truffé d'irrégularités. C'est grave ce qui se passe. Tout a été magouillé. C'est pas normal. Vous dites magouillé? Oui, quand on parle d'irrégularité, c'est-à-dire de manière sournoise, les choses se sont faites. Et puis, on a procédé à l'élimination de 5 sections. Vous les avez entendues? On reproche à ces sections de ne pas être à jour de leurs cotisations. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas à jour de leurs cotisations. Le secrétaire général, en tant qu'élu, n'a pas payé ses cotisations d'élu depuis 3 ans. Alors, c'est quoi? Se sont succédés au micro quelques ténors du parti, des chefs de section et autres adhérents. Des résolutions ont bien été prises dans une ambiance qui était loin de surprendre l'un des anciens du parti. Quand il y a un congrès, c'est le moment où il y a des échanges, où on discute. C'est le moment où, avant de repartir au combat, on commence par se concerter, voir ce qui va, ce qui ne va pas, rectifier la position. Mais dans un congrès, il faut toujours s'attendre à des contacts de ce genre. À chaque congrès, il y a toujours quelque chose. Le PSG va bien? Il n'y a pas de problème à ce niveau. Il n'y a pas de problème. L'esprit de Justin Catayé est toujours là? Toujours là, toujours là. Ça n'a pas changé. Un congrès qui a sacré une nouvelle fois Roland Léandre, le secrétaire général sortant. Rassemblement, unité et synthèse, des mots que nous avons entendus à l'occasion donc de son congrès. Mais dans les mois, voire les années à venir, il faudra aussi des actes quant à la refondation du parti fondé il y a 63 ans par Justin Catayé. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.